Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial de l'émission Contre nous, soit dit. Vous le savez, parce que vous êtes habitués à suivre cette émission, c'est un magazine dans lequel nous traitons des importantes liées notamment à la politique, au social, au droit, à la religion et à toutes ces questions. On les met sur la table avec les invités sur le plateau, nous tentons d'en parler. Vous l'avez peut-être lu dans les réseaux sociaux, l'actualité reste dominée aujourd'hui depuis quelques jours par cette lettre du vice-ministre de la Justice qui voudrait donc instruire la justice à pouvoir ouvrir un dossier contre l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala. Et bien, l'homme est accusé par une partie de ses conseillers et chargé d'études d'avoir détourné leur salaire, leurs primes, leurs indemnités de sortie et parler même des indemnités kilométriques. Qu'en est-il exactement? Bruno Tshibala Nzenze a-t-il, vrai ou faux, détourné l'argent? Est-ce un acharnement? Est-ce pas un coup politique monté contre l'ancien Premier ministre qui, d'une certaine manière, que vous le vouliez ou pas, a réussi à ramener le pays vers les élections ayant conduit à la première alternance de son histoire? Pour en parler, j'ai donc deux invités sur ce plateau pour tenter de parler de la question. À ma gauche, Monsieur Bruno Toumba Kayembe. Monsieur Bruno Kayembe, bonjour. Bonjour, Monsieur Pierrot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes directeur du cabinet adjoint de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Vous êtes encore aujourd'hui un de ses proches collaborateurs. Avec vous, on parlera donc de cette question importante. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. À ma droite, quelqu'un que les médias connaissent bien, parce qu'il est ami de la presse, mais Monsieur Maurice Muyanano. Monsieur Muyanano, bonjour. Bonjour, Pedro Loara. Vous êtes porte-parole de l'ancien Premier ministre, Monsieur Bruno Tshibala Nzenze. Exactement ça. Exact, ancien conseiller de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On va mettre le pied directement dans le plat. Monsieur Bruno Toumba, vous avez travaillé avec Bruno Tshibala, vous avez été son directeur de cabinet adjoint. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai les documents, j'ai la lettre des plaintes. Beaucoup des anciens conseillers principaux, certains, je ne sais même pas s'ils sont dedans aussi, ont porté plainte, estimant que l'ancien Premier ministre aurait détourné leur salaire, leurs primes et même leurs indemnités de sortie. Qu'en est-il exactement? Merci, Monsieur Perrault, de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis venu par devoir moral pour avoir été dans la direction du cabinet. À un moment donné, vous assumiez même l'intérim de directeur du cabinet, plusieurs oui, fois. Oui. Et je disais par devoir moral pour essayer de porter des éclaircissements sur ce dossier qui exacerbe les passions. Et les éclaircissements, je vais les porter sur 4 ou 5 points. Ok. Le premier point, c'est la gestion même du cabinet. Ben, il va sans dire que le Premier ministre, dans ses attributions, il gérait les questions à l'échelle nationale. Et il devait en rendre compte à l'Assemblée nationale. Mais pour la direction du cabinet, il avait délégué tous les pouvoirs à son directeur de cabinet. Et le directeur de cabinet gérait le cabinet et lui faisait rapport. Donc ce n'est pas le Premier ministre qui gérait le personnel au sein du cabinet? Non. La gestion quotidienne du cabinet était donc de la responsabilité de son directeur de cabinet? De son directeur de cabinet. Donc s'il y a un problème aujourd'hui, c'est les directeurs de cabinet qui doivent répondre. Et de toute la direction. Ok, on y va. Ouais. Alors, à partir de cette précision-là sur la gestion du cabinet, je passe directement au deuxième aspect, qui est celui de la dotation qui était allouée à la primature. Dotation qui constituait les salaires, tout ce que vous voulez. Oui. Du Premier ministre et de son personnel. Ouais. Et cette dotation-là, elle est restée invariable depuis tous les premiers ministres qui ont succédé
M. Bruno Tshibala jusqu'à son avènement. Et c'était de 578 300 355 francs congolais, pour être précis. 500, un peu plus de 500 millions. J'ai les documents, j'en profite pour jeter un coup d'œil, parce que bon, j'ai ici... Et là, vous avez le document numéro 5. Vous avez une attestation de... L'attestation. C'est la direction des trésors et de l'ordonnancement. Je vous mérite bien lire, attestation. J'ai sous-signé Anissé Dengue Mifiana, ordonnateur, délégué du gouvernement, autorise le caissier d'État BCC à payer ses guichets à M. Bitumba Lokota, comptable public, principal, code 0561, le montant des francs congolais, 578 300 335 en francs congolais, 578 300 335 francs congolais repris sur l'OPI numéro P5617 du 14, représentant le paiement des traitements des bases du Premier ministre et de son cabinet. C'est donc ça la dotation que le Trésor public mettait à la disposition? C'est ça la dotation qui était mise à la disposition de la primature, qui constituait les émoluments du Premier ministre lui-même et de son cabinet, et la prime de logement de son personnel politique. 578 millions, à l'époque, ça faisait à peu près quoi, 300 000 dollars, si, disons, bamon, 300, 400 000 dollars à peu près. Ouais, le taux à ce moment-là était de 1630. Donc, ok. Voilà. Alors, c'est cette dotation, cette enveloppe salariale qui était répartie en fonction du nombre de membres du cabinet. Et vous dites que cette dotation, Tshibala là, a trouvé ça? Matata recevait la même dotation. C'est la Sami même. Badi Banga, la même dotation. Bruno Tshibala, Ilunga Ilunkamba, Samaloukonde. Donc c'est la même jusqu'au C'est la même, elle n'a jamais varié. Et au troisième point, parce que je parle de la dotation, c'est les effectifs même du cabinet. Ben, au sujet des effectifs, je crois que c'est le Premier ministre qui fixe le nombre et même la composition de son cabinet au regard de la tâche qui lui est confiée. Il n'y a pas une loi qui fixe le nombre exact de conseillers au sein du cabinet du Premier ministre, non. C'est des bons vouloirs de l'homme. Oui, mais il fixe cela en fonction de la mission qui lui est confiée et de l'ardeur de la tâche même qui lui est confiée. Il évalue et il fixe le nombre de membres de son cabinet. Et en ce qui concerne les effectifs, je voudrais dire que depuis Matata, donc à partir de Matata et le Badi Banga et les autres, ils ont eu soit 300 membres, soit moins que ça. Mais M. Tshibala, dans sa générosité, on comprend, on venait de sortir d'une très grande lutte, tout le monde voulait travailler. Et on est arrivé à 500 membres de cabinet qui ont été sur le décret. De M. Bruno Tshibala. Oui. Ajouté à cela, tous les rattachés, c'est-à-dire les détachés de l'administration qui ont servi au protocole, les nettoyeurs, les jardiniers et autres, qui, dont le nombre était exactement de 104, ce qui faisait l'effectif de 608 membres. Le cabinet compris dans sa totalité, donc Tshibala était obligé de payer 604 membres. 608 membres. 608 membres, ok. Avec la même enveloppe dont se sont servis ses prédécesseurs. On comprend avec ça que cela pouvait avoir double incidence. Ce qui faisait que chaque mois, on se retrouvait avec une impasse. C'est-à-dire un dépassement dans les états de paye qui devenait supérieur à l'enveloppe salariale qui était que nous recevions du trésor public. Ça, c'est la première incidence. La seconde, il va de soi que ça devait entraîner une baisse du niveau de rémunération parce qu'il fallait que tout le monde,
trouve son compte. Parce que c'est important ce que vous dites. J'ai vu les revendications des plaignants. Ils ne comprennent pas, par exemple, qu'un conseiller à l'époque de Matata touchait dans le 3 000, 4 000 $. Mais à l'époque de Tshibala, c'était 300 000 au départ. Ils disent qu'après, c'était 500 000. Ils estiment que l'État a continué à payer le conseiller comme c'était à l'époque de Matata. Et dans l'argent des conseillers, M. Bruno Tshibala défalquait cet argent. Comment vous expliquez que votre prédécesseur Matata payait dans le 3 000, 4 000 $ ses conseillers? Bruno Tshibala, il paye moins de 500 $. Vous voulez justifier ça par le nombre des effectifs? Pour une meilleure compréhension, si nous avons une orange et que nous devons partager entre deux personnes, chacun a une grande partie. Mais si au lieu de deux personnes, on a trois, on doit partager cette enveloppe en trois. Et si c'est cinq, la même chose, et ça va décroissant, ça ne peut pas aller croissant. Donc le problème, c'est le nombre important. C'est le nombre du personnel. Important, le nombre important. Mais comment vous justifiez ça, que les autres aient 20? C'est quoi? Tshibala, c'est un homme social, c'est un homme, un socialiste qui voulait avoir tout le monde, ou comment vous justifiez ça? Il est parmi les rédacteurs du projet de société de l'UDPS, dans lequel le solidarisme est relevé. Alors, comme on venait sortir d'une grande lutte, j'ai parlé de l'ambition qui lui était confiée, de l'ardeur de la tâche, ça demandait un peu plus de personnel. Et c'est comme ça que, par solidarisme et autres, il a dû recruter 500 et 4, ajouter à cela tous les rattachés auxquels je viens de faire allusion. Vous étiez au troisième point, vous avez dit qu'il y en avait cinquième. Le quatrième élément que vous vouliez soulever, après donc le nombre. Oui, le quatrième, c'est le barème. Vous aviez posé cette question-là. À proprement parler, il n'y a pas de barème connu au niveau de la primature. Donc l'État envoie de l'argent, le Premier ministre paye à sa guise. Il n'y a pas un barème de conseillers, il n'y a pas un barème de conseillers principaux. Chaque Premier ministre donne un salaire selon son bon vouloir. En fonction du nombre de gens. Donc l'État envoie une enveloppe. C'est une dotation globale. Une dotation globale. Ça s'appelle, ouais. C'est le Premier ministre qui paye comme une enveloppe. Ouais. Mais en fonction de... Mais il y a quand même une organisation. Au départ, il y avait un décret portant organisation du cabinet. C'est en fonction de cela que lui-même, il essaie de fixer les critères et autres pour chaque... De toute manière, c'est l'administration. En ce qui concerne les préparatifs des états de paye, c'est la cellule administrative de la primature qui prépare les états de paye, qui les transmet au directeur de cabinet, il les approuve, il signe, et la cellule administrative contresigne. Mais comme je l'ai dit au départ, le directeur de cabinet fait rapport au Premier ministre. Donc il est informé, parce que toute l'administration est gérée par le directeur de cabinet. Et le cinquième élément sur lequel vous voulez parler? Le cinquième élément, je voulais parler des salaires. Je voudrais ici, main sur le cœur, dire que toutes les rémunérations des membres du cabinet ont été intégralement payés du début jusqu'à la sortie. Intégralement. Personne, il n'y a pas d'arriéré. Vous je avez dis, tout liquidé, tout je payé. Je dis bien intégralement payé. Et les quelques arriérés qui étaient restés, si vous regardez le document numéro 56, de 56 à 60, à 62, vous trouverez qu'il y a les arriérés qui ont été payés, ça portait sur les mois de... 56, 60, tout ça, Ça portait sur le mois de mars, avril et mai. État des pays soldes et des arriérés complémentaires, des rémunérations, 3 mois, mars, avril, mai 2019, correspondant à la cessation définitive des prestations à la primature, membres des cabinets, conseillers au sein des collèges. Ça, c'est donc les documents qui prouvent qu'il n'y a plus d'arriérés au sein de la primature. Non, il n'y a plus d'arriérés. Et à ce sujet, toujours en ce qui concerne les salaires, il y a eu aussi libération des indemnités de sortie. Les gens ont reçu leurs indemnités de sortie? Ils ont reçu leurs indemnités de sortie. Les 600 et quelques personnes là?
Ils ont reçu leurs indemnités de sortie et ces indemnités n'ont pas été payées à la primature. La liquidation a été faite par le ministère du Budget. L'ordonnancement a été fait par le ministère des Finances. Le décaissement a été fait par la Banque centrale et de la Banque centrale, tous les membres ont été désintéressés auprès de Equity Bank, où un compte avait été ouvert pour chaque membre du cabinet et chacun a disposé de ses indemnités de sortie à sa guise. Et je souligne que c'était sans interférence de la primature. Vous avez le document numéro 6. Il est parti du trésor public. Le document numéro 6. Note des services. Je suis en train de chercher pour confronter numéro 5, c'est les attestations. Numéro 62, numéro 7, difficulté dans l'exécution. Numéro 11, numéro 56. Non, vous l'avez ici. Après attestation. Le document suivant. Ah, le document suivant, ok. Donc, quand vous regardez, vous verrez que c'est la direction des trésors publics. Je peux lire, hein. Ouais, c'est le ministère des Finances. Objet transmission de l'état des payes des indemnités de sortie en faveur du cabinet du Premier ministre du gouvernement sortant. À monsieur l'administrateur directeur général de Equity Bank à Kinshasa Gombe, monsieur l'ADG, j'ai l'honneur de vous transmettre pour couverture des comptes pour ouverture des comptes bancaires individuels et paiement l'état des payes des indemnités de sortie en faveur de l'ensemble du personnel des cabinets du Premier ministre du gouvernement sortant pour une enveloppe totale des 3 365 538 340 francs congolais constitués des montants repris sur les OPI numéro 980-603 et 980-602 du 23 avril 2009. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur directeur général, l'expression de ma parfaite considération. Les documents sont signés par monsieur Anissé Ndengemi Fiana. Donc, de la banque, du ministère du budget, l'argent est allé à Equity Bank. Ce n'est pas Bruno Tshibala qui a géré les rémunérations. Non, il n'y a même pas touché. Donc c'est parti directement de la banque centrale vers Equity Bank. Et comme vous venez de le lire, c'est pour l'ensemble des membres du personnel. Donc pas un seul n'a été oublié. Maurice Mouyananou, si ce que monsieur le directeur des cabinets adjoints de l'ancien Premier ministre dit est vrai, mais qu'est-ce qu'on cherche au Premier ministre? C'est quoi le problème? Parce que les frondeurs, appelons-les comme ça, ou les plaignants, disent que non seulement que M. Bruno Tshibala défalquait l'argent dans leur salaire, mais ils évoquent notamment la question des primes aussi qui n'étaient pas payées à la primature. Ils parlent aussi des questions des inventaires et sorties sur lesquelles M. Tshibala aurait effectué des coupes. C'est quoi le problème si ce que lui raconte est exactement vrai? Ah ben, c'est cette cabale. Ce que je disais tantôt dans ma communication il y a trois jours, qu'il y a une cabale qui était en train de se fomenter quelque part dans les tensions de nuire ou de tromper en fait l'opinion. Je suis l'homme le plus heureux actuellement parce que je suis en face de l'un des directeurs de cabinet, ceux qui nous ont gérés à l'époque. Vous-même, vous étiez conseiller aussi. Moi-même, j'étais conseiller. J'ai mes retours dans cette réalité. Alors, j'ai parlé l'autre fois, estimant que les gens pouvaient peut-être prêter oreille à ce que je déclarais. Mais aujourd'hui, nous venons avec tout l'arsenal, toute la documentation qui fait l'objet aujourd'hui pour étayer suffisamment ce que moi j'ai déclaré il y a trois jours, que tous les salaires et indemnités de sortie ont été dûment payés. Alors aujourd'hui, nous ne savons pas la raison de cet acharnement de nos anciens collègues. Et je crois que, Perrault Louara, nous sommes en face de la réalité. Je crois qu'à votre niveau, c'est vous de relayer, de nous relayer. Et je regrette, je dois aussi le noter ici, l'indiquer que certains médias, certains organes de presse qui ont relayé la fameuse lettre du vice-ministre ont manqué à un devoir. Hein, sur le plan de la communication, sur le plan de l'équilibre en fait, de l'information. J'ai produit un document
pour éclairer la situation. J'ai envoyé dans différents organes de presse. Mais curieusement, nous avions suivi dans certains médias, en relayant l'information du ministre, du vice-ministre, et de manière intentionnelle, ont omis ma communication. Non mais Maurice, je crois que... on parle quand même du vice-ministre. C'est un avocat chevronné, le vice-ministre, qui lui instruit, appelle le parquet à pouvoir réserver une suite favorable à ces demandes-là. Vous pensez que le vice-ministre, lui aussi, il est dans cette cabale, lui aussi, il est instrumentalisé contre M. Bruno Tshibala, ou il y a véritablement Anguille Souroche? En fait, ce sont des questions que tout le monde peut se poser. Nous ne pouvons pas admettre qu'un ministre, avec les responsabilités qui sont les siennes, puisse ignorer les principes de la séparation des pouvoirs. Les ministres font partie de l'exécutif, donc du pouvoir exécutif, qui n'a aucune injonction, aucune instruction à émettre à un parquet, au pouvoir judiciaire. Le parquet a la plénitude de l'action pérouloire. Je ne vois pas un procureur qui a été saisi depuis le 20 mai, je crois, 2020. Ça fait presque une année. Oui, oui. Qui a eu le temps d'exploiter, d'explorer même le dossier, qui a suivi avec beaucoup de diligence le processus en fait du dossier, qui a réalisé que c'était une farce, une tentative d'escroquerie, et qui a presque réservé une suite, qui a classé sans suite en fait le dossier. Aujourd'hui, qu'un ministre se permette, un ministre, il faut aussi qu'on se le dise, démissionnaire, se permette de rédiger une lettre adressée au ministre, plutôt au procureur général près de la Cour constitutionnelle. Lui-même, le ministre, ici, n'a pas été manipulé ou induit en erreur. Je crois qu'il y a une mauvaise intention ou il y a autre chose. Mais c'est à vous de déterminer, parce que nous sommes venus avec toute la documentation pour étayer suffisamment notre démarche. Nous sommes inquiets, nous sommes sidérés de constater que les amis qui ont perçu leur salaire intégralement et leurs indemnités de sortie puissent se prévaloir en fait d'une telle aventure. Non mais estimant peut-être que on allait laisser, peut-être les choses allaient se limiter dans des déclarations, mais aujourd'hui nous venons avec toutes les preuves possibles que toi-même tu vas brandir. Montrer à ceux qui veulent comprendre la situation. Parce qu'ils sont allés même à dire, j'ai lu quelque part dans un article publié dans, sur RFI, qu'ils n'ont jamais reçu aucun rang. L'argent qui a été débloqué par les trésors publics pour leurs indemnités et salaires ont été détournés par l'ancien Premier ministre. Vous voyez, la mauvaise foi. La mauvaise foi. On ne peut pas cracher sur la main qui vous nourrit ou qui vous a nourri. Qu'est-ce que Tshibala a fait? Donc le fait, on vous a expliqué ici la situation. Face à une pléthore des effectifs, il a été amené à réunir son cabinet, en fait le plus restreint, pour demander qu'on lui fasse des simulations face à cette situation, parce qu'il s'est trouvé dans les possibilités de payer les membres du cabinet. C'est comme ça qu'on part quand même. Et alors, partant de ces situations, à moins de 1000 dollars, on lui dit que, monsieur le Premier ministre, il était impossible de faire face à cette pléthore de membres du cabinet. Alors, la solution que nous vous proposons, c'est de faire partir certains. Monsieur le Premier ministre, qui a lutté, qui a compris l'essence de la solidarité, dirait que non, il sera impossible de faire partir ces gens ici qui espèrent au moins avoir quelque chose mensuellement. Je crois qu'il faut y opérer une certaine péréquation proportionnellement au nombre de membres qui sont dans les décrets. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à faire des coupes. Des imputations, même à son salaire. Lui a été imputé chaque mois. Un tiers de son salaire, lui-même le Premier ministre. Oui, regardez le document
Le document numéro 55. Un tiers de son salaire était chaque mois amputé. Le document numéro 55. Donc le Premier ministre lui-même a vu son argent être amputé. L'exemple a commencé par lui-même, passant par les directeurs, passant par le conseil spécial, jusqu'au conseiller. Face à ces nombres pléthoriques. Jusqu'au conseiller. Raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas nous amener à comparer la situation de l'époque de Matata, C'est ça, c'est ce que les gens disent. Comment expliquez-vous qu'à l'époque de Matata, un conseiller avait plus de 3000 dollars, mais vous arrivez à votre époque, un conseiller touche moins de 1000 dollars, c'est tantôt 300 000 francs, après c'était 800 000, après c'était si c'est 1 million, là aussi c'est le problème. Arithmétiquement parlant, vous avez commencé par 300 000 francs congolais, après c'était 800 000, après c'était 1 million, c'est ça le problème, monsieur Bruno Tomba. Arithmétiquement parlant, même si le Premier ministre sortant avait eu tous les diplômes de mathématiques du monde, est-ce que il pouvait, avec son effectif qu'il avait de 600, avoir une même base de paiement que les membres de ses prédécesseurs, arithmétiquement parlant? C'est impossible. Et c'est ainsi que chaque mois, pour couvrir ces déficits, on devait recourir à des ressources additives. On allait jusqu'à sacrifier certains frais du fonctionnement, comme l'entretien des bâtiments, comme l'entretien des sanitaires, l'achat même des fournitures, et toutes ces rubriques-là en pâtissaient parce qu'il fallait faire un complément. Donc, Motema Malamu ne Motebo Missier, comme disent les Quinois. Motema Malamu, je veux dire ceci, c'est la première fois dans ma vie que je vois qu'on est en train de tirer sur un altruiste. Et pourtant, l'altruisme, c'est cette grande valeur morale suprême. Il a exprimé tout son amour pour son prochain, en se faisant même ponctionner sur son propre salaire. Dites-moi lequel des responsables ont pu faire comme lui, accepter de se faire ponctionner sur son propre salaire pour que les autres puissent en profiter. Je crois que on doit quand même regarder cet altruisme-là et cesser cette hypocrisie. Néanmoins, ce que j'ai admiré chez le Premier ministre, c'est que, au regard de toutes ces accusations fantaisistes, il dit: je les excuse parce que c'est par ignorance. Ils ignorent la réalité, c'est pour cela qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en Bruno train de Tumba, faire. Bruno Tumba, les frondeurs réclament par exemple aussi la question des primes. À l'époque des Matata, non seulement il y avait les salaires, il y avait des primes, il y avait des indemnités kilométriques où les gens prenaient des indemnités kilométriques, il y avait le carburant, il y avait toutes ces choses. Les conseillers de Tshibala qui l'accusent disent, à part ces maigres salaires, ce qu'ils considèrent comme étant maigres, Tshibala prenait leurs primes. Les primes, vous ne payez pas. Vous ne payez pas les indemnités kilométriques. Vous ne donniez plus le carburant. Tout ça, eux, ils estiment que c'est de l'argent qui sortait du trésor public que M. Bruno Tshibala a détourné. Qu'est-ce que vous allez répondre, vous qui étiez à la direction de ces cabinets? Mais je crois que c'est un peu de la méchanceté pour accuser quelqu'un de ce dont on n'a pas de preuves. La plupart de ces documents auxquels on fait allusion pourrissent jusqu'à aujourd'hui dans les tiroirs du ministère du budget. Donc ça n'a jamais été débloqué. Mais une précision, c'est que quand vous regardez le document numéro 5 que je viens de vous donner, c'est bien dit les salaires du Premier ministre et de son cabinet, ainsi que le logement... Représentant les paiements des traitements des bases du Premier ministre et de son cabinet, ainsi que le logement de son personnel politique. Du personnel politique. On ne parle pas de toutes les catégories de membres. On parle du personnel politique. Par personnel politique, c'est-à-dire les assimiler aux membres du gouvernement. Je vais être un peu plus explicite pour qu'on me comprenne.
les assimilés, c'est comme le directeur de cabinet avait rang de ministre. Les adjoints que nous étions, nous avions rang de ministre délégué. Et les CP avaient rang de vice-ministre. Voilà le personnel politique qui était concerné par la prime de logement. Ceux-là recevraient leur prime. Vous recevez la prime. Régulièrement jusqu'à la fin de notre mandat. Mais les conseillers, eux, n'étaient pas concernés, selon les libellés de ce que je suis en train de lire ici. Mais ils ne sont pas concernés par le... Mais quand ils vont vous opposer, par exemple, le fait que Matata le faisait, Badibanga le faisait, vous allez répondre quoi? Là aussi, c'est par rapport au nombre pléthorique. Parce qu'ils disent, à l'époque de Matata, on sait que chaque mercredi, les gens venaient toucher une prime, prime de transport, prime de ceci. Après, la semaine qui viendra, prime de cela. Mais tout ceci sous Tshibala, ça n'existait pas. Ben, je crois qu'il faut qu'on ait une meilleure compréhension. Quand on a 300 personnes à payer et qu'il y ait par exemple des reliquats, on peut les donner en prime, mais cela n'atteste pas nécessairement qu'il y avait des primes qui sortaient du budget, qui atterrissaient à la primature. Donc les trésors publics ne sortaient pas des primes. Il n'y avait pas de l'argent qu'on disait prime, indemnité kilométrique. On n'en a pas vu, on n'en a pas vu. Ça, c'est important ce que vous dites. On n'en a pas vu. Le trésor n'a jamais sorti des primes, le trésor n'a jamais sorti des indemnités kilométriques, le trésor n'a jamais sorti de... Quand bien même, je dis bien, quand bien même, on devait parler de primes, je voudrais vous poser une question. Fallait-il payer des primes d'errance, des primes d'oisiveté? Parce que la plupart d'entre eux ont été au cabinet. Il y en a qui sont sortis sans traiter, pas même un seul dossier. Vous ne les avez pas sanctionnés, il fallait les chasser, non? Le Premier ministre pouvait le faire, ça c'est un argument qui ne passerait pas devant le tribunal. Ils ont été conseillés jusqu'au bout, même s'ils étaient oisifs. Mais ouais, pas de leur propre chef. Mais quand vous avez le management politique, c'est des gens qui restaient sous les arbres, ils allaient traiter quel dossier? Maurice Mouyanan, les gens qui accusent le Premier ministre sont clairs. Ils disent que Bruno Tshibala a volé leur argent et en plus, il a tenté à négocier avec eux en leur proposant 15 000 $. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi M. Bruno Tshibala s'est-il vu dans l'obligation de négocier avec ces gens jusqu'au point de leur proposer 15 000 $ au fait qu'ils retirent leur plainte? Nous l'apprenons de vous. Ah, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Nous l'apprenons de vous. Apparemment, ces gens rencontrent leur vie. Hein. Je crois que... L'ancien Premier ministre n'a jamais tenté une opération tenté, même en rêvant. Même en rêvant. Parce qu'ils disent que 15 000 $ à chacun leur aurait été proposé par Bruno Tshibala pour qu'ils se taisent, pour qu'ils retirent leur plainte. Mais nos propos sont parfaitement étayés par les différents documents. Je ne vois pas pour quelle raison ils tenteraient une telle aventure. On négocie plutôt lorsqu'on se sent quelque part coupable. Mais lui, tous les documents sont là. Certains documents vous seront déposés tout à l'heure pour peut-être les exploiter à votre manière. Quelqu'un qui a géré avec orthodoxie. Vous voyez tous les chiffres, tous les documents. Je ne vois pas pour quelle raison il tenterait une telle aventure de négocier comme s'il se reconnaissait quelque part coupable. Donc je crois donc que... Donc c'est faux, c'est Tshibala n'a jamais tenté une négociation. Il n'a jamais tenté une négociation. Non, c'est ça, des ragots. Une autre accusation, ils disent que les gens étaient payés sur la tête du client. Il n'y avait pas un barème. Ils accusent notamment les enfants de l'ancien Premier ministre. J'ai lu certains de leurs reportages en disant qu'il pouvait avoir un enfant qui gagnait plus que le conseiller principal, un enfant qui gagne plus que le conseiller principal. Messieurs n'avaient pas un barème général, impersonnel et abstrait. Messieurs payaient selon la tête du client. Ils disent qu'on pouvait retrouver un protocole qui gagne plus qu'un conseiller. Il y a des agents, puisqu'il est de la famille de M. Tshibala, lui gagne plus, trois fois, deux fois plus que... Vous répondez comment à toutes ces accusations-là? Je crois que moi, je n'ai pas à répondre des accusations fantaisistes. Je vous donne à vous référer sur le document numéro 11. J'ai le document numéro 11, je l'ai vu. Voilà, il est là.
Voilà, c'est un récapitulatif du paiement des rémunérations aux membres du cabinet pour le mois d'avril et le mois de mai. Regardez toutes les rubriques si vous trouverez quelque part où c'est écrit « membre de la famille de ». Je vois qu'il y a ici salaire CP, CP ça veut dire conseiller principal, CTS veut dire conseil technique spécial, logement CP, CTS, prime spécifique CP, CTS, salaire conseiller, salaire chargé d'études, salaire management politique, salaire DIRCAP logement, prime spécifique DIRCAP, salaire DIRCAP logement, salaire antichambre, la salaire administration et assimilé, salaire protocole, salaire collège, salaire jardinier nettoyeur, salaire archiviste, salaire journaliste, salaire cellule médicale, prime de gestion, prime d'encadrement, prime d'astreinte, prime des caisses transport suivi, prime supplément chef protocole, supplément parsec, supplément intendant général, supplément infirmière, supplément antichambre, salaire. Donc, il n'y avait pas un salaire réservé aux membres des familles. Non, vous voyez, vous êtes suffisamment édifié parce que au bas, là, au milieu, là où c'est assuré, on voit bien l'enveloppe salariale reçue du Trésor est de 578 millions, tout ça. Les rémunérations payées, c'est tout ce que vous avez lu là. Et comme je le disais, nous nous retrouvions toujours avec un dépassement. C'est la dernière ligne où vous voyez qu'il fallait déficit qu'il fallait chercher pour le mois d'avril. Il fallait compléter avec 59 millions. Et pour le mois de mai, il fallait chercher 83 millions. Et tout cela, on faisait des sacrifices. Donc c'était des gymnastiques assez importantes pour payer les gens. Chaque mois. Alors pour quelqu'un qui a fait un tel sacrifice, qui a fait une telle gymnastique pour que tout le monde se retrouve, je crois que c'est un tout petit peu méchant. Mais on les excuse parce que c'est par ignorance qu'ils sont en train de faire ça. Bruno Tumba, vous accusez qui? Vous pensez qu'il y a une même politique derrière les ennemis de Tshibala qui lui en veulent, qui veulent lui mettre la tête dans le sac? Qui est derrière tout ça, selon vous? Bon, je ne pourrais pas l'affirmer parce que je ne suis pas avec tout ce groupe-là. Mais nous savons qu'en République démocratique du Congo, il y a toujours des mains noires quelque part. Mais nous ne pouvons pas l'affirmer parce que nous ne sommes pas avec eux. Mais cela ne peut pas manquer. Même question à vous, Maurice. C'est quoi? Ce sont ses ennemis politiques qui veulent lui mettre le cou dans le sac et le noyer qui instrumentalise ses anciens conseillers? Je crois tout laisse croire qu'on n'est pas loin en fait de cette démarche, dans la mesure où nous avons toute la documentation ici. Nous l'avions dit, ça fait plus d'une année que je suis passé à travers certains médias, donner la réaction, donner la version de fait, mais apparemment il y a une certaine résistance qu'on observe chez certains, non seulement en fait nos anciens collègues, mais il y a aussi ceux qui les instrumentalisent, parce qu'on ne peut pas admettre, comme je le disais tantôt, qu'un ministre de justice, de surcroît, qui est censé maîtriser le fonctionnement des institutions de l'État, instruire ou donner des injonctions à un parquet. Je crois que si le ministre n'a pas été suffisamment informé, je crois qu'il pouvait bien. Est-ce que Bruno Tshibala est prêt à répondre de tout ça devant la justice? Ah, mais comment il peut répondre? Il ne se reproche de rien. Il se reproche de rien. Si aujourd'hui, si demain il était appelé à répondre de tous ces faits, de toutes ces accusations devant la justice, mais est-ce qu'il est prêt à... Il avait déjà été devant l'avocat général. Au parquet de la Cour constitutionnelle. Sur le même dossier. Sur le même dossier. Il a déjà été entendu sur ça. Il avait été entendu. Rien n'a été trouvé en ce qui concerne les salaires. Rien. Et ce dossier est même parti, je crois, à la Cour constitutionnelle. Je crois qu'il l'avait renvoyé à l'inspection générale de la police, qui a eu à examiner et qu'il avait classé sans suite. Les enquêtes avaient été menées et ça a été classé sans suite.
Donc le dossier est vide, mais bon, les ennemis de Tchibala, c'est le dossier, il est vide, même plus que vide. Il n'y a rien. Donc les soubassements, c'est vraiment une illusion. Rien à voir avec ce que nos amis disent, voilà. Rien à voir. Aujourd'hui, mon cher Perrault, tu as été suffisamment fourni. Je crois que ce débat est vraiment dégueulasse. On va terminer l'émission. Je commence par vous, je finirai par les directeurs de cabinet. Les Congolais vous regardent. Bruno Tshibala, c'est quand même le président de l'UDPS. Tshibala, son parti politique, il a les membres, il a des gens qui croient en lui, il a ses détracteurs. À tous ces gens, je veux dire, à tous les Congolais qui vous regardent sur ces dossiers, vous leur direz quoi comme mot de la fin? Je vais toujours revenir sur ma communication d'il y a 3 jours, que tous les salaires et primes ont été payés. Aujourd'hui, personne, je mets ma main à couper et mettre quiconque au défi qui viendra dire le contraire de ce que nous venons de dire ici. Apporter des preuves, apporter des versions contraires de ce que nous venons d'étayer ici. Je crois que ce débat doit être clos. Ceux qui sont avec nous, ceux qui croient encore à l'avenir politique de cet homme qui a facilité en fait l'alternance pacifique dans notre pays, je crois qu'ils doivent, aujourd'hui, où nous sommes passés ici, comprendre que c'est une cabale de bas étage, de mauvais goût. Je crois que les choses sont claires comme l'eau des roches et nous n'allons plus revenir sur ça. Alors, ceux qui veulent des documents, je crois que incessamment nous allons mettre à leur disposition quelques documents dans les médias en ligne et la presse écrite. On terminerait avec vous, monsieur le directeur de cabinet. Qu'est-ce que vous direz aux Congolais qui vous regardent en ce moment ici? Au regard de tout ce que je viens de dire, je crois que vous vous rendrez compte que c'est une véritable distraction. On est en train de distraire le peuple, l'opinion, alors qu'il y a de grands problèmes à résoudre. Je voudrais dire à l'opinion qu'elle ne se laisse pas distraire par ces oiseaux de mauvais augure. Parce que nous avons bien des choses pour lesquelles nous devons nous atteler plutôt que à nous laisser dans cette distraction de mauvais goût. Je crois que on a démontré suffisamment que le premier ministre sortant était de très bonne foi. Il est allé jusqu'à se sacrifier. Je suis allé même jusqu'à... Moi, je suis son compagnon. Je suis avec lui tous les jours. C'est un véritable altruiste. Et vous savez, ce que je peux dire, c'est que comme Jean-Jacques Rousseau le disait, l'homme est bon par nature et c'est la société qui le rend mauvais. Avec de telles manipulations, je crois que même si humainement parlant, il reste égal à lui-même dans son altruisme, je crois que quelque part, ça fait mal de voir qu'on a approché des gens et ces gens-là se retournent contre leur propre maître sans raison, sans cause. Ça, c'est de la méchanceté tout simplement. Et c'est ce que moi je déplore. Et c'est pour cela que je demande à la population qui a suivi tout l'arsenal d'arguments que nous avons apportés de comprendre que c'est un dossier vide et qui ne doit pas encore distraire les gens. N'en déplaise à la lettre du vice-premier ministre... Du vice-ministre Du vice-premier ministre de la justice. Non, c'est le vice-ministre faisant l'intérim. Faisant l'intérim. Ok. Mon collègue Maurice venait de dire que il y avait la notion de séparation de pouvoir, mais également la notion de l'indépendance de la magistrature. Je crois que la magistrature est indépendante et ne peut pas se laisser influencer par conviction dans leur conscience qu'ils examinent les dossiers. Mais s'ils trouvent que le dossier est vide, on va le fixer comme ça pour faire perdre du temps à la nation. Je crois que la moindre des choses, si au niveau du parquet de la Cour constitutionnelle, il est établi que le dossier est vide, j'en suis convaincu,
Le dossier ne peut pas être transmis à la Cour constitutionnelle qui a d'autres dossiers beaucoup plus importants à traiter pour le pays. Voilà mon dernier mot et je vous remercie de nous avoir invités. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Ce n'était qu'une ouverture. Il y aura d'autres épisodes parce que moi-même aussi, je reviendrai largement là-dessus. Il est temps pour moi de réunir un certain nombre d'éléments. Je m'étendrai suffisamment sur cette question-là. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à vous, M. Bruno Toumba. Merci, M. Perrault. Merci également à vous, Maurice Mouyanano. Les portes sont grandement ouvertes. Revenez quand vous voulez. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.